La FIBA Afrique a effectué ce 28 mai à Kigali le tirage au sort de la phase des groupes de l'Afrobasket 2021. Quatre groupes de quatre nations ont été formés avec dans la poule A du Rwanda, pays hôte, l'Angola, nation la plus titrée du continent. La République démocratique du Congo fait aussi partie de ce lot en attendant le quatrième protagoniste qui sortira du trio Maroc, Ouganda et Cap-Vert. Le groupe B, constitué de la Tunisie, championne d'Afrique en titre, de l'Égypte, de la Guinée et de la Centrafrique, semble être abordable pour les Aigles de Carthage de la balle orange. Le Nigeria, vice-champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, trois pays de l'Afrique de l'Ouest et le Kenya forment le groupe C. Enfin, on assistera à un duel des faubes entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun, aux côtés desquels le Sud-Soudan et le dernier qualifié joueront les troubles faits dans la poule D. La compétition qui est prévue du 24 août au 5 septembre 2021 dans la capitale rwandaise permettra aux 16 équipes de se frotter dans ce tournoi de basketball phare du continent.